Bonjour, Koé Nicomès. Je suis ici à Charette, dans le champ à Charette chez moi, en train de réaliser l'œuvre pour l'espace autochtone à Trois-Rivières, à l'hôpital Sainte-Marie. Moi, j'ai voyagé beaucoup en étant jeune. Je suis parti loin. J'ai été en Amérique latine, beaucoup au Mexique, puis en Colombie. Puis à force, sur mon chemin, mes doigts ont commencé à vouloir travailler. Graduellement, j'ai commencé à faire la sculpture dans la pierre à savon quand j'étais en Colombie-Britannique, que j'avais vu un autochtone qui était là-bas, un cri. Lui, il était en train de sculpter sur le bord du lac. Et puis, quand il avait fini la sculpture, il allait la vendre, il revenait avec son argent. Puis jusqu'à temps que là, il n'y avait plus d'argent, il faisait une autre sculpture, puis il la vendait encore. J'ai dit, waouh, tu fais ça, tu es capable de vendre tout ça, toi? Ah, OK, moi aussi, je veux faire pareil. Okay, il m'a donné un bout de pierre et des outils, puis j'ai commencé comme ça. J'ai eu la misère à me trouver une personnalité en tant que sculpteur de pierre. Parce que les sculpteurs de pierre, c'est Inuit autochtone, surtout aussi en Amérique du Nord. Je me suis acharné à faire des ours, puis mes ours sont devenus mes ours à moi maintenant. Il n'y a plus d'ours qui ressemblent. Ah, ça ressemble à Inuit. Non, c'est mes ours à leur style à eux. Et puis mon cheminement a continué comme ça avec la sculpture un peu plus grosse. Puis maintenant, je fais des monuments. Je souhaite toujours impressionner la galerie. Je veux qu'on dise « wow ». C'est de l'ego aussi. Je suis content, je suis fier. Ça impressionne. Parce que la pierre, même si elle n'est pas sculptée, est impressionnante. Dans toutes les cultures, partout, il y a toujours eu des totems. Il y a toujours eu des objets. On est comme des petits enfants devant la création, devant l'infini. Puis on essaie de s'exprimer en faisant un beau bricolage pour notre Père qui est aux cieux, tu sais. C'est ce qui nous rend humains. L'oiseau que je fais est un peu abstrait, c'est plus du volume. C'est le volume qui est important, qu'il soit écoulant, que la ligne soit belle, qu'on ait le goût d'y toucher. Tout est dans le mouvement, tout est dans le point de fuite, du bec jusqu'à la queue. Une forme très, très simple, mais très difficile à réaliser, parce que quand il n'y a pas de détails, il faut que ce soit une forme qui est lisse, qui est coulante. La coupe à la scie, cassée, après ça, c'est le compresseur avec l'outil pneumatique. Puis la texture, c'est une gradine avec cinq dents qui arrache puis qui fait en même temps un mouvement. On voit le coup de ciseau, on voit le mouvement. Et puis après, si je veux finir comme le bec, puis là, je prends un autre outil qui est un ciseau plat pour y envoyer la forme lisse. Puis après, je prends une pierre que je frotte avec la pierre dessus pour ôter les coches. Puis tu vois, la brute qui est en bas, je fais attention pour ne pas l'égratigner avec mes outils. La brute, on ne peut jamais le répéter avec un outil, ça. C'est la nature qui l'a fait, puis c'est précieux. Connecté avec la pierre, avec la matière, la pierre va rester. La pierre était. C'est la mémoire, la pierre. C'est quoi? C'est le grand-père, c'est quoi? C'est la mémoire du temps. Mais en même temps, elle va être là dans le futur. Fait que c'est nos petits-enfants aussi. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir me rapprocher des peuples autochtones et puis unir mon effort pour représenter quelque chose de symbolique.